qui sont pas là. Donc, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, je vais vous présenter mes produits préférés. Puis India aussi va présenter quelques de ses produits préférés. Bien, dans le fond, on a quasiment les mêmes produits préférés. Puis on va pas parler de toutes parce qu'on les aime toutes, dans le fond. Fait que on va essayer de faire ça quand même vite pour pas vous garder trop longtemps. Donc, je vais commencer par vous partager un PowerPoint. Donc, ça ici. Ce sera pas long. OK. Donc, pour ce soir, ça, c'était les informations pour la réunion. Je vois. OK. Donc, je voulais commencer par vous parler des promotions qu'il y avait en ce moment. Dans le mois de janvier, il y a quand même pas mal de promotions, là. Donc, en ce moment, pour le mois de janvier, quand tu veux devenir client privilège, ça te coûte seulement 20 $ au lieu de 35, le prix normal. Donc, pour ça, c'est très avantageux. Puis en plus, lorsque tu commandes pour 156 $, ben, tu as la livraison gratuite. Puis, tu as un cadeau gratuit aussi qu'il y a sur la prochaine commande, dans le fond, la prochaine commande que tu vas passer avec Arbonne. Puis, quand que tu commandes pour 240, bien, là, tu as un cadeau gratuit en ce moment, puis sur ta prochaine commande aussi. Fait que c'est très le fun parce que les cadeaux gratuits, comme là, il y a la liste, puis il y a quand même des cadeaux là, qui valent beaucoup. Tu sais, ça peut aller jusqu'à, il y a des crèmes à 100 $. Fait que, tu sais, ça vaut quand même la peine. Fait que ça, c'était une promotion. Aussi, il y a la promotion du défi 30 jours qui se termine justement demain. Fait qu'on en parle juste à temps. Elle est à 50% de rabais. C'est un gros rabais qui que c'est un ensemble qui vaut au-dessus de 700 $ parce qu'en plus, tu as le droit à un cadeau gratuit en plus des cadeaux gratuits qu'il y a dans le kit. Fait que pour vrai, ça vaut full la peine. Puis en plus, ça te permet de faire le défi 30 jours, commencer la nouvelle année 2021 en faisant attention à ta santé puis ton alimentation. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, je le combine, le défi 30 jours. Je le fais en ce moment avec India, là. Puis je le combine aussi avec l'entraînement. Puis pour vrai, ça marche, là. Je vois déjà des résultats. Puis ça fait une dizaine de jours qu'on a commencé. Fait que c'est vraiment le fun. Aussi, il y a le concours que j'ai décidé de faire pour vous. Seulement mes clients à moi. Fait que c'est un concours, dans le fond, que je fais pour que quand vous commandez pour 100 cuvées et plus, dans le fond, à chaque tranche de 100 cuvées, ça vous donne comme un billet pour entrer dans le concours. Puis à la fin du mois, le 25 janvier, je fais tirer une boîte de fizz aux fraises au complet, là, les 30 sachets. Puis ça, cette boîte-là, ça vaut 65 $. Puis en plus de ça, une bouteille d'eau que moi, j'adore, puis je la prends tous les jours pour faire mes fizz, puis boire de l'eau. Elle contient 1 litre. Fait que ça, ensemble, je fais tirer ça le 25 janvier. Fait qu'il est encore le temps pour commander. Puis 100 cuvées, là, ça a l'air gros, mais ça monte assez vite. Tu sais, des fois, ça prend juste 2 articles, puis tu as déjà tes 100 cuvées. Fait que c'est très réalisable. Après, il y a la promo aussi que quand tu commandes 3 produits de la gamme RE9, tu reçois les masques gel pour les yeux. Puis ça, c'est un must là, chez Arbonne. Là, on va en parler tantôt, là, mais c'est vraiment un produit que la plupart des gens aiment. Fait que ça, c'est ça pour cette promo-là. Puis ça vaut 62 $ ce petit masque gel pour les yeux. Donc, c'était ça pour les promos. Il y en a quand même pas mal, là, comme vous avez pu voir. Fait que là, je vais vous parler de mes produits préférés à moi. Bien, quelques de mes produits préférés. Donc, je vais commencer avec mon number one. Dans le fond, c'est le masque detox. Ce masque-là, au début, j'étais comme, ah, tu sais, j'avais plus de masque. Fait que je l'ai commandé, puis je l'ai essayé. Puis pour vrai, là, dès la première fois que je l'ai mis, j'ai trippé complètement. Il fait tellement un effet comme rafraîchissant, puis tu sens que ta peau, après, est toute propre puis fraîche, puis il enlève vraiment toutes les impuretés. Fait que je trouve ça vraiment le fun, surtout avec, tu sais, avec l'école, puis le COVID, puis les masques qu'on a tout le temps quand on va au magasin. Je trouve que ça l'enlève vraiment tout, puis pour vrai, je le recommande à 100%, puis je l'ai même recommandé à tous mes clients. Mais là, je vous en parle à vous ce soir. Dans le fond, c'est l'argile rose là, qui contient ce masque-là qui permet de déloger toutes les saletés puis d'exfolier en douceur sans que ça l'irrite ta peau. Là. Tu sais, moi, je l'utilise comme 2 fois par semaine dans ma,
dans ma routine de nuit, mettons, ben, tu sais, le soir. Mais tu pourrais l'utiliser pratiquement tous les jours, puis ta peau ne serait pas irritée. Fait que pour ce masque-là, il est vraiment recommandé. Après, ça aussi, ça fait pas longtemps que je l'ai commandé, mais dès que je l'ai essayé, j'ai trippé dessus. C'est la gelée pour le corps au complet. C'est dans la même gamme que le masque que je vous parlais tantôt. Mais cette gelée-là, dans le fond, moi, je la mets après ma douche, comme je l'utilise comme crème hydratante. Puis en même temps, elle vient tout rafraîchir, comme toutes mes muscles. Puis le soir, je m'entraîne, puis après ça, je m'en vais me laver, puis je mets ça. Puis on dirait que ça vient tout soulager mes muscles. Je suis moins raquée le lendemain. Je me sens vraiment comme... Tu sais, ça sent l'odeur, là. Ça sent... Ben, ça ressemble à ça. Mais ça sent le spa. Tu sais, quand tu vas dans un spa pour, genre, te faire masser, puis aller dans un spa nordique, mettons, ça sent ça. Tu sais, ça sent... relaxant, mettons. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais pour vrai, ça fait full du bien. Moi, je l'adore, je l'utilise chaque jour. Après ça, mon exfoliant nouveau préféré, ça fait un petit bout que je l'utilise, mais avant, j'utilisais toujours des exfoliants, tu sais, avec des grosses billes là, qui viennent full assécher la peau, puis tu deviens toute rouge après ça pour déloger les points noirs, puis les saletés, puis tout ça. Mais celui-là, il est fait tellement en douceur là, que je l'utilise deux fois par jour, puis ma peau est même pas plus sec qu'avant, puis ça vient tout comme adoucir ma peau, ça enlève tous les points noirs. Pour vrai, je l'adore, là, t'sais, je le recommande full, parce qu'avant, c'est ça, ça venait dans un gros pot de même, ceux que j'achetais, là, puis c'était comme exfoliant full intense, puis... c'était des gros morceaux là, qui venaient. Et oui, ça venait déloger, mais je pouvais l'utiliser une fois par semaine max parce que ça venait tout irriter ma peau. Fait que celui-là, je l'aime vraiment parce que je peux l'utiliser plus souvent, puis ça ne vient pas trop endommager ma peau. Fait que comme là, j'avais écrit ici, là, c'est la poudre d'érelle rouge, puis des grains d'abricot moulus. T'sais, ça fait comme un petit sable, ça ne vient, vient pas irriter. Fait que pour ça, je l'aime vraiment. Ensuite, ma crème hydratante que j'utilise chaque jour, celle-là, j'ai été super surprise parce que quand je l'ai commandée, j'étais stressée à cause que toutes les autres crèmes que j'avais utilisées avant, c'était des crèmes à base d'eau, là, tu sais, gel, là. Puis celle-là, c'est pas une crème gel. J'avais peur qu'elle soit trop grasse pour ma peau, mais vraiment pas. Puis elle rentre full facilement dans la peau. Puis elle a de l'herbe du tigre dedans qui fait que tous les effets du stress sur ta peau, bien, cette crème-là, elle vient les apaiser. Puis, mettons, toutes les rougeurs, tous les boutons de stress qu'on a, mettons, avec l'école ou dans les examens, dans ce temps-là, là, moi, je sais que j'ai plus de boutons dans ces temps-là, bien, ça vient toutes les apaiser. Puis, tu sais, les plaques de sécheresse, puis tout ça. Fait que pour vrai, là, vraiment, vraiment recommandé. Puis comme je vous ai dit tantôt, je n'avais pas qu'elle soit gras, mais non, elle pénètre vraiment vite dans la peau. Puis tu sais, tu n'as pas l'impression nécessairement d'avoir mis de la crème dans ton visage. Fait que pour ça, moi, c'était vraiment un plus parce que je n'aimais pas ça, avoir la sensation d'avoir la peau grasse, là. Puis ensuite, je pense que c'est le dernier produit que je vais vous parler pour moi. C'est le gel nettoyant Biodria. Ça, ben, tu sais, j'utilisais déjà des gels avant d'utiliser ceux d'Arbonne, des gels nettoyants. Mais pour vrai, celui-là, vous pourriez demander à tout le monde qui l'a utilisé. Il fait tellement bien la job, là, pour vrai. Il vient tout, quand tu le frottes, puis là, ça vient tout mousser sur ton visage. Tu as une sensation de fraîcheur sur ton visage. Après ça, tu te sens vraiment propre. Et tu le sens qu'il a bien nettoyé. Là. Fait que pour ça, c'est vraiment le fun. Moi, je l'utilise dans ma routine de tous les jours. Je ne sais pas si vous aviez vu le post que j'ai fait, là, que j'utilise ces produits-là chaque jour. Avec l'exfoliant aussi, là. Dans mon visage, puis pour vrai, à date, c'est la recette gagnante, là, fait que je vous le recommande vraiment beaucoup. Donc, c'était ça pour mes produits. Ah, non, il reste lui. Ah, ça, c'est le sauveur de l'hiver, pour vrai, là. Si j'avais su que ça existait avant, j'aurais été une acheteuse potentielle, parce que moi, l'hiver, j'ai vraiment, vraiment les lèvres secs, là, tout le temps. Puis là, avec ça, pour vrai, je vois tellement de différence depuis que j'utilise. Dans le fond, il y a un exfoliant
que tu viens mettre sur tes lèvres. Puis moi, après ça, ben, je le liche là, parce que ça goûte bon. Fait que je le liche, puis après ça, je viens mettre le baume à lèvres. Fait que là, ça, ça adoucit tes lèvres. Puis là, après ça, tu viens les hydrater avec ça. Pour vrai, en ce moment, là, t'sais, l'hiver est quand même avancé, puis j'ai pas eu les lèvres secs cet hiver, puis je vais continuer à le mettre puis à l'acheter pour vrai. C'est vraiment, vraiment, vraiment utile. Je sais que je suis pas la seule qui rush avec ses lèvres là, pendant l'hiver, fait que je vous le recommande vraiment. En plus, il sent super bon, puis il goûte bon. Fait que c'est ça. Je vais vous laisser avec India pour parler des prochains produits. Elle va parler en premier justement des Fizz, les meilleurs vendeurs chez Arbonne. Puis moi, je suis une adepte complètement. Fait que je vais vous laisser avec elle. Allô, gang! J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres à soir et de vous parler de mes coups de cœur Arbonne. Là, comme Émilie, elle a dit, à soir, on fait vraiment une sélection de coups de cœur. Mais pour vrai, là, moi, ça fait 7 mois que je suis conseillère Arbonne. Ça fait 7 mois que j'utilise les produits Arbonne. Là, j'ai pas de maquillage, fait que c'est bien plate, mais je me maquille avec ça habituellement pour mes cheveux. Tu sais, je prends tout ce que je consomme au quotidien dans Arbonne maintenant. Fait que ma nutrition, mon maquillage, mon skincare, mes produits pour mon corps, vraiment de tout, 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 tout. Fait que c'est malade. J'aime vraiment tout. Il y a rien que j'ai essayé que je fait comme aïe, ça c'est moins mon genre, tu sais. Fait que j'ai plein de produits à la maison, j'ai un Baxter Arbonne, puis j'aime tout. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que le gel nettoyant, là, moi aussi, c'est mon gel préféré parce qu'il y en a plein des nettoyants pour le visage, c'est mon gel préféré, j'en ai commandé 3 dernièrement. Fait que ça, c'est cool. Là, je vous parle du premier produit qui me fait triper, c'est les Fizz. Je sais pas si vous avez déjà essayé les Fizz ou peu importe, en tout cas, si c'est pas encore fait, il faut que vous essayiez ça, ça va changer complètement votre vie. Là-dedans, il y a 55 milligrammes de caféine dérivée de thé vert et de guarana. Fait que ce que ça fait, non seulement c'est excellent au goût, je vous le dis gang, c'est insane, OK? Mais d'ailleurs, c'est énergique. Fait que c'est quelque chose qui est... c'est comme une boisson énergisante, botanique, un peu comme une genre de gourou, mais le fizz est moins dispendieux que la gourou et il est meilleur au goût. Là-dedans, il y a du sucre de stevia, fait qu'il y a environ 20 calories. Et ce que ça va faire, contrairement à une boisson énergisante, c'est que ta patate, là, elle pompera pas sans arrêt. Fait que tu vas pas sentir que crime t'a bu 12 café à matin. Ça remplace le café, ça remplace la liqueur, mettons, la boisson énergisante, mais c'est 1000 fois meilleur pour ta santé, toutes les botaniques, tu peux en prendre 3 si tu veux dans ta journée, puis il n'y a pas de danger pour ton petit cœur, OK? Fait que ça, c'est mon produit coup de cœur. Ma saveur préférée, moi, c'est grenade, mais j'aime bien fraise, j'aime bien citron aussi. Puis là, ben vendredi, on a des nouveaux Fizz qui sortent, petit sneak peek, saveur de citron et lime. Fait que ça va être une édition limitée, puis ça part vraiment vite, les éditions limitées. Fait que si ça vous tente d'essayer les Fizz ou peu importe, ben, bref, vous contacterez Amy après pour comme préparer votre commande à l'avance parce que ça va partir comme des petits pains chauds. Fait que voilà, premier coup de cœur qui est aussi le plus grand vendeur chez Arbonne, je vous dirais. Ensuite de ça, je vous parle des Digestion Plus. Je ne sais pas si je suis la seule, mais moi, j'ai des problèmes de ballonnement, des problèmes de constipation des fois, puis je me sens pas trop bien. Des fois, j'ai l'impression que mes jeans sont plus serrés, le bas de mon ventre est plus gonflé. Ça, c'est le produit miracle pour les ballonnements. Fait que ça s'appelle des Digestion Plus. C'est pour, en fait, déballonner. Fait que là-dedans, il y a 3 milliards de probiotiques, prébiotiques et enzymes digestives. Ça a un genre de goût, c'est écrit là, de gingembre et tout, puis c'est pour soulager les troubles digestifs. Fait qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va te faire péter. C'est bien simple, tu peux le mettre dans un smoothie le matin, tu peux le mettre dans un fizz. Moi, j'aime bien ça, je mélange ça avec mon fizz, puis c'est super bon, ça goûte. Puis voilà, ça fait que je pète, ça fait que je dégonfle. Mais c'est pas des gros pets dégueux, là, c'est vraiment des petits pets qui sont ni vus ni connus, que tu sais, ça pue pas. C'est ça qui est cool, c'est que ça pue pas. Puis je suis pas la seule à dire ça comme commentaire, mettons, par rapport aux Digestion Plus. J'ai des clientes qui consomment les Digestion Plus à tous les jours. C'est pas dangereux pour vos intestins, vraiment pas, parce que aussi c'est botanique. Fait que tu sais, on n'en recommande pas 2-3 par jour, là, mais un Digestion Plus par jour le matin ou après le dîner, c'est malade, ça va vous faire digérer vos repas, puis ça va faire en sorte que vous allez dégonfler dans le temps de le dire. C'est vraiment miraculeux. Fait que ça, gros coup de cœur parce que voilà, je suis une fille qui est gonflée puis ballonnée dans la vie. Puis depuis septembre, j'utilise ça à tous les jours puis ma vie est complètement changée. Ensuite, je vous parle des santé cognitives. Peut-être que vous êtes aux études, peut-être que vous êtes en télétravail à la maison, que vous êtes souvent devant des ordinateurs, que vous êtes devant des séries de Netflix à cause du confinement. Bref, si vous êtes des gens qui manquaient parfois d'attention ou qui l'attention déroge, là, comme t'entends quelqu'un parler, t'es en train de faire tes devoirs, mais là, oublie ça, l'attention est virée vers la personne qui parle, ben c'est ça, un santé cognitive. C'est pour aider à la concentration. Là-dedans, il y a un ingrédient qui s'appelle de la phosphatidylsérine. OK? Là, ça vous dit rien.
cannabinoïdes, mais ça, c'est dérivé de graines de tournesol et ça va aider aux fonctions cognitives du cerveau. Il y a aussi de la vitamine B12 qui va aider à la fonction cognitive, aux cellules cérébrales, etc. Ça goûte cerise et lime, c'est vraiment bon, mais ma boisson genre mystère là, que je me fais à tous les matins, c'est le santé cognitive pour ma concentration, le fizz pour mon énergie, puis le digestion plus pour m'aider à digérer. Fait que ça, là, les trois mélangés ensemble, c'est écœurant. Genre, le fizz, il est bon, puis ça, c'est bon tout seul, mais ensemble, là, ça donne un goût d'enfer. C'est genre un Gatorade qui donne de l'énergie, puis qui te permet d'être plus concentré. En tout cas, je vous le dis, gang, c'est malade. Fait que si, mettons, vous prenez du Concerta d'envie ou du Vivance, moi, avant, je prenais du Concerta, puis ça faisait en sorte que je mangeais plus, j'étais stressée. J'avais de la misère à faire des siestes entre mes cours, j'avais le cœur qui me débattait, je maigrissais à vue d'œil, puis tu sais, j'étais pas si bien que ça dans moi parce que crime, ça faisait des effets vraiment intenses. Fait que maintenant, je prends santé cognitive, puis ça m'aide super gros pour ma concentration et tout ça. Ensuite de ça, je vous parle des protéines arbonnes. OK. Fait que là, les protéines arbonnes, ça, c'est un gros coup de cœur aussi. C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé avoir dans mes coups de cœur parce que je suis pas une fille de protéines. Je suis pas nécessairement la fille qui s'entraîne non plus, qui va au gym puis qui prend des shakes de prots après, là. Vraiment pas, OK. Mais j'ai découvert la protéine, c'est ça, depuis que je fais arbonne. Avant, j'ai déjà pris de la protéine au Popeyes, mais tu sais, je tripais pas. Je trouvais que ça avait un petit goût granuleux, puis l'arrière-goût de la protéine, j'étais comme, tu sais, c'est pas trippant. Mais ce que j'aime avec la protéine arbonne, premièrement, elle est vegan, elle est sans cruauté, elle est sans gluten. Fait que c'est super bon pour notre santé. C'est de la protéine qui est faite à base de pois, de riz et de canneberge. Okay? Là, vous allez dire, my God, ça doit goûter les légumineuses. Vraiment pas. Okay? Là-dedans, il y a du sucre de stevia. Fait que du stevia, c'est une plante qui est sucrée, qui fait en sorte que c'est sucré ta protéine, mais c'est pas nécessairement calorique. Fait qu'il y a peu de calories là-dedans. Avec deux scoops, tu peux remplacer un repas. Et il y a 120 scoops dans le sac, OK? Puis là, vous voyez, là, le sac, comment il est beau, là. Lui, il est au gâteau marbré, OK? Ça, c'est ma protéine préférée. Je me fais des boules d'énergie à ça. Je me fais des biscuits à ce moment pendant le défi 30 jours qui goûtent les biscuits. Mais dans le fond, c'est avec ma protéine de gâteau marbré. Je me fais des smoothies à ça, des bowls, des smoothie bowls, là, tu sais, plus consistant un peu à ça. C'est malade, OK? On a vanille, on a chocolat, on a chocomante qui arrive vendredi, d'ailleurs, avec les nouveaux fils. Fait que si vous êtes des triples de chocomante, vous allez capoter. Ça aussi, c'est une édition limitée, fait que dépêchez-vous. Et on a, voilà, gâteau marbré, OK? Fait que c'est super bon, c'est nourrissant, puis c'est là que j'ai commencé à aimer la protéine, c'est depuis que je prends des protéines arbonnes parce que j'aime le goût, je trouve ça le fun de me faire des recettes, puis ça fait que j'ai vraiment pas faim. Pour vrai, je suis gourmande dans la vie, là, puis c'est pas des trucs, je vais vous confier quelque chose, OK? D'habitude, je parle pas de poids, je parle pas nécessairement de tout ça. Ça fait comme quoi, 12 jours, non, 10 jours après qu'on fait le défi 30 jours, puis je sais que c'est comme intense, là, mais j'ai déjà perdu 7 livres en peu de temps qu'on fait le défi 30 jours. Fait que c'est sûr que, tu sais, avant, je mangeais moins bien et tout ça, mais juste le fait de remplacer mon déjeuner maintenant par des protéines arbonnes qui font en sorte que ça me remplace un repas, ça a changé là, complètement mon alimentation puis la façon dont je me sens dans le mois puis tout. Fait que là, c'est sûr que maintenant, je vais continuer ça. Fait que voilà, j'ai l'impression de boire un gâteau, mais dans le fond, je bois un shake qui est bon pour moi. Ensuite de ça, je vous parle des masques gel. On en a parlé un petit peu tantôt. Ce produit-là, c'est un autre produit qui est très, très, très bon vendeur chez Arbonne. Pourquoi? Parce que, voilà, ça remplace 8 heures de sommeil. Puis là, quand je vous dis ça, je suis 100% honnête. C'est parce qu'on dit que ça remplace 8 heures de sommeil dans le site Arbonne et tout ça. Puis les filles, ils disent ça aussi. Puis moi, j'étais comme au début bien sceptique parce que je me disais, crime, 8 heures de sommeil, c'est quand même intense. C'est comme pour certains, une nuit de sommeil complète. Fait que là, tu es en train de me dire que si je me mets des patchs, c'est comme si je ne dors pas de la nuit puis j'ai l'air d'avoir dormi. Fait que là, finalement, moi aussi, j'ai essayé au départ et je suis tombée complètement en amour avec ça. J'ai trois boîtes de patchs parce que j'aime ça les prêter dans des trousses. C'est sûr qu'en temps de pandémie, en ce moment, c'est moins l'idéal, là, mettons, mais j'aime ça les prêter parce que les gens voient vraiment le résultat. Fait que je vais vous les montrer un peu pour que vous voyez ce que ça donne, là. C'est des masques gel avec de la vitamine C, de la vitamine B12, plein d'antioxydants. Il y a un sérum à l'intérieur. Fait que là, je ne veux pas trop la pencher parce que ça va peut-être couler un peu sur mon ordinateur, mais il y a un sérum qui est super apaisant. Fait que vous voyez un peu la texture, là, c'est vraiment en gel comme ça ici. Puis moi, j'aime bien ça mettre mes patchs au frigo parce que ça fait en sorte que le gel de ma patch il est plus frais. Fait que là, je me mets ça là, en dessous de l'œil. C'est full rafraîchissant. 15 minutes, là, puis je vous jure, gang, vous n'avez plus de cernes, vous n'avez plus de poche. Ça remplit les cernes complètement. Là. Fait que c'est pour ça qu'on dit que ça remplace un 8 heures de sommeil. Puis voilà, c'est malade comme,
comme investissement, honnêtement, si vous avez de la difficulté à faire dodo ou des fois vous avez envie de prendre des photos ou peu importe, c'est malade. Puis là, il y a un produit que je veux vous parler qui n'est pas dans ma liste de produits à présenter. J'avais dit à Amy que j'allais en présenter juste 5, mais là, j'ai un produit coup de cœur qui est justement dans la liste des cadeaux gratuits qu'elle vous a présenté tantôt. Puis c'est drôle parce que je l'ai reçu la semaine passée, c'est la première fois que je l'essayais, puis j'avais tellement de commentaires positifs par rapport à ça, puis je me disais, Crime, faut que je l'essaye. C'est l'huile nourrissante, OK, pour le visage. Cette huile-là, c'est malade. Je ne sais pas si des fois vous avez la peau un peu sèche ou genre pendant l'hiver, vous avez un petit peu des craquements. Moi, des fois, j'ai tendance à avoir le petit nez rouge ici. Puis là, ça fait comme 3 fois que je la mets. Ma peau là, est tellement belle là, quand que je mets ça. Ça vient avec une petite genre de seringue de même. Là. Puis là, tu mets 3 gouttes dans ton visage, c'est malade l'effet que ça a, OK? Genre, je sors de la douche, je me mets mon exfoliant, mon gommage, comme Mimi, elle a parlé tantôt. Je mets mon huile nourrissante, c'est fou. Ma coloc, elle l'a utilisée, elle a dit, Crémine, c'est malade. Puis ça, là, c'est le produit, c'est le cadeau gratuit qui vaut le plus cher. Ça vaut presque 100 $ au prix régulier. Fait que quand t'es client privilège, c'est vraiment moins cher. Quand t'es conseillère, c'est encore moins cher. Mais... En ce moment, là, il est dans la liste des cadeaux gratuits. Puis moi, c'est avec les cadeaux gratuits que je l'ai eu. Fait que je vous le dis, si vous avez la possibilité d'avoir un cadeau gratuit, c'est écœurant, là. Genre, c'est malade. Vous allez triper. Puis là, il y a plein d'autres affaires que je voudrais vous parler. L'auto-bronzant, je tripe bien raide. Regarde, je l'ai à ma portée. Je vais vous le présenter vraiment vite, OK? Il y a de l'extrait d'aloise là-dedans. Il y a plein de genres de vitamines. C'est un autobronzant qui est insane, OK? C'est comme une lotion. Ça sent bon d'habitude, là, les autobronzants. Là, je ne sais pas pour vous autres, là, si vous avez déjà essayé ça. Moi, je ne suis pas une fille d'autobronzant, mais je m'en ai déjà mis. Des genres de feuilles là, d'autobronzant que tu passes à la peau, puis ça pue au bout. Ça pue. J'ai des draps blancs, j'ai un beau lit blanc en arrière, puis mon lit était tout le temps tout crotté. Fait que là, ça me faisait capoter. Fait que je ne mettais pas d'autobronzant. Mais là, en ce moment, je vous le dis, il a fallu que j'essaye l'autobronzant Arbonne parce que j'étais conseillère Arbonne, puis si je voulais le recommander, ben, il fallait que je l'essaye. C'est mon plus bel autobronzant que j'ai jamais essayé de ma vie. C'est comme en lotion, ça fait que c'est léger. C'est comme si tu t'appliquais une crème, puis l'effet est malade. Genre, je me le fais aux 5 jours. Là, je serais vraiment due parce que j'en ai plus pantoute. Mais comme en ce moment, on ne peut pas voyager, je vous le dis, si vous avez envie d'avoir un beau tan de voyage, c'est ça qu'il vous faut. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Genre, vous allez capoter, puis il sent Hawaii. C'est pas des jokes. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis si vous avez d'autres questions, venez m'écrire, ça va me faire plaisir. Écrivez à Amy, je pense qu'elle l'aime vraiment elle aussi. Voilà! Donc, c'est pas mal ça. On a fait le tour. Puis en plus, ben là, Ine, elle a parlé des nouveaux produits qui sortent vendredi. Moi, personnellement, j'ai vraiment hâte d'essayer les fils citron lime, là, pour vrai. Là. Ben, j'aime pas Choco Menthe, là, mais je suis sûre que ceux qui l'aiment, ça va être bon, là. Mais, fait que c'est ça. Dans le fond, on a fait le tour. Je sais pas s'il y en a qui avaient des questions sur des produits qu'on n'aurait pas dit, mettons, des informations ou quelque chose du genre. Et moi, j'ai quoi à dire, gang? Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais dans Arbonne, quand tu veux essayer des produits, parce que là, c'est cool, tu sais, on vous parle de des produits, mais moi, je comprends le fait que peut-être que vu que vous voulez. C'est pas parce qu'on vu qu'on est en temps de pandémie, on n'est pas en personne, OK? Dans un sens, c'est cool parce que j'étais à Montréal, Amy, elle, est complètement à l'autre bout, puis on n'est pas pantoute dans la même ville, mais fait qu'on peut se rejoindre puis faire un événement ensemble. Mais c'est pas parce que vous ne pouvez pas sentir les produits, vous ne pouvez pas les toucher, vous êtes comme, tu sais, c'est bien fucké d'acheter des produits en ligne sans savoir ce que c'est. Fait que on a une politique de retour qui est vraiment exceptionnelle avec Arbonne. Ça, c'est vraiment hot. On a 45 jours pour échanger ou rembourser un produit. Fait que, mettons, je ne sais pas, moi, vous décidez que vous avez envie d'essayer la protéine Arbonne, OK? Puis là, vous l'essayez, elle arrive chez vous, vous l'aimez, mais crime, quand vous êtes rendu là dans votre sac, vous ne l'aimez plus tout d'un coup. Il y a genre un déclic qui se passe, je ne l'aime plus. Je ne pense pas que ça arrive, mais mettons que ça t'arrive. Tu as le droit de dire, OK, ça ne me tente plus de l'avoir chez nous. Fait que tu peux te faire échanger ou rembourser en autant que ton sac, tu veux l'échanger ou le rembourser dans les 45 jours qui suivent ton achat. Fait que ça, c'est le fun. Fait qu'avec n'importe quoi, si tu as ouvert ta boîte de fils, puis après 2 fils, tu es comme, hey, c'est vraiment pas mon genre, ben crime, ta boîte de fils, tu peux la retourner chez Arbonne. Fait que ça, là, c'est cool parce que, tu sais, n'ayez pas peur d'essayer des produits si jamais vous n'êtes pas dans la même ville qu'Amy. Amy ne peut pas vous passer une trousse pour que vous les essayiez, mais vous avez peut-être envie de pouvoir voir qu'est-ce que ça ferait sur votre peau. Ben, ayez pas peur. Puis, je sais pas si t'en as parlé, Amy, au début d'être carboneuse, non, hein? Non. OK. Ben, on est aussi carboneuse. Fait que ça veut dire que, mettons, là, moi, je suis à Longueuil présentement, puis l'entrepôt d'Arbonne est à Longueuil. Fait que, qu'est-ce qui se passe quand on fait livrer du Arbonne? C'est que en étant une entreprise carboneuse, ils vont calculer l'émission de carbone émise dans l'air. Mettons que, je sais pas, vous habitez à Magog. Là, ils vont partir de Longueuil à Magog jusqu'à chez vous. Puis, ils vont planter des arbres en conséquence selon le nombre de kilométrages parcourus avec votre livraison. Fait que ça, c'est vraiment le fun. À chaque année, on a, mettons,
la statistique du nombre d'arbres qui a été planté, puis on est bien écologique, là. D'ici 2025, tout va être 100% probablement, en fait, 100% réutilisable avec des contenants réutilisés et tout ça. Puis vos trucs, là, tu sais, vos petits emballages de fils ou peu importe, là, mettons que vous êtes bien écolo, là, puis ça vous tente de le faire, il y a possibilité de les garder puis de les renvoyer à l'entrepôt Arbonne. C'est gratuit, vous apportez ça à Post Canada, puis Arbonne, ils vont réutiliser les sachets de fils, les sachets de santé cognitive, de digestion plus et tout ça pour en faire des nouveaux. Fait que ça, c'est le fun. Si jamais vous prônez, mettons, l'environnement, tout ce qui est réutilisé et tout ça, là. Fait que voilà. Ben, c'est pas mal ça. Je pense qu'on aurait fini, là, comme, je sais pas, il n'y a pas de questions, rien. Ben, merci d'être venu vraiment tout le monde. Il y avait quand même pas mal de monde, je suis contente. Fait que je vais vous écrire après. Puis s'il y a quelque chose qui vous a accroché l'œil, n'hésitez pas à me le dire, puis on va s'organiser ensemble. Merci. Bye. Bye.